Audio Jungle. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, comme dit la Bible. Mesdames et messieurs, je vous dis shalom à vous tous qui nous suivent de partout. Je suis vraiment heureux de vous voir encore aujourd'hui assister à cette émission Hosanna, une émission qui vous bénit, une émission qui vous édifie. Je dis déjà un grand merci à des gens qui nous suivent de partout, qui se sont connectés juste pour suivre cette émission dans notre chaîne YouTube Feu Rouge, une chaîne qui vous expose des images de qualité ainsi que des rubriques qui vous donnent la connaissance et qui vous apportent la culture. Et pourquoi pas qui vous sauve aussi à travers nos différentes émissions. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de vous présenter un homme dédié qui est vraiment fantastique. Je le connais depuis un bout de temps. C'est lui à qui on a commencé cette émission, Hosanna. C'est la première personne qui a inauguré cette émission. Aujourd'hui, c'est l'homme dédié Daniel Luboya à qui j'ai dit déjà bonjour, l'homme dédié. Bonjour, mon frère Eldi. Comment allez-vous? Grâce à Dieu, ça va. Après une année de séparation, on s'est vu encore aujourd'hui en 2021, c'est une grâce. Vraiment, c'est une grâce après tout ça et cette vague de maladies. Bon, nous sommes là quand même, grâce à Dieu. Voilà, aujourd'hui, nous allons partir sur un sujet tellement capital. Le sujet en question, c'est comment briser les prisons de l'âme. C'est un sujet tiré dans le livre des Psaumes 142, verset 8. C'est le sujet pour lequel nous allons partager avec l'homme de Dieu, Daniel Luboya, qui va essayer un peu de nous expliquer, de nous faire comprendre et de répondre à nos certaines questions concernant ce sujet. Parce que l'âme, c'est vraiment un sujet ou bien un point qui touche beaucoup de personnes, ou c'est un point où beaucoup de gens se posent tant de questions. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu va essayer un peu de nous expliquer, de nous élargir cette connaissance pendant quelques minutes. Et puis, nous allons avoir la connaissance qu'il faut afin que notre foi soit encore consistante et que nous puissions bien marcher. L'homme de Dieu, nous allons commencer cette émission avec ce sujet, comment briser les prisons de l'âme. En entrant de jeu, pour commencer, notre première question, nous voulons savoir comment définissez-vous l'âme? L'âme. Vraiment définir l'âme, c'est un dilemme parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Okay. C'est quelque chose qu'on ne touche pas. Mais j'aimerais d'abord, en introduisant la définition, faire comprendre et savoir que l'âme, c'est d'abord une partie de l'homme. Parce que l'homme, elle est tripartite, l'homme a le corps, l'homme a l'esprit et l'homme a l'âme. Quand on parle du corps, on voit ce qui est physique. Mais quand on parle de l'âme et l'esprit, vraiment, c'est ce qui n'est pas physique, c'est ce qui ne se fait pas voir. L'âme, c'est comme une partie que l'homme a en lui, créée par Dieu. La Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7, qu'après que l'Éternel y formait l'homme de la poussière, il souffla dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire Dieu a maintenant donné l'existence à l'homme au travers du souffle qui vient faire naître l'âme. Donc l'âme, c'est vraiment la nature de l'homme. L'âme, c'est les ponts qui existent entre l'esprit et le corps, parce que l'esprit étant ce qui vient de Dieu par le souffle, le corps étant le support que Dieu nous a donné pour être sur terre, l'âme est le centre. L'âme, c'est là où il y a la volonté. L'âme, c'est là où il y a le sentiment. C'est là où il y a l'émotion. Parce que c'est l'âme qui définit même la nature de Dieu en l'homme. Parce que la nature de Dieu en l'homme, elle n'est pas physique, mais elle est morale, elle est intellectuelle, elle est spirituelle. Et cela se définit par l'âme. Parce que quand Dieu regarde, il regarde l'âme. Parce que c'est là que siège le sentiment. C'est même elle, qui aura des destinations après la mort de l'homme. Il ira en enfer ou soit il ira au ciel. Donc c'est l'âme, c'est ça que Dieu voit. L'âme, c'est ces ponts-là qui existent entre le corps et l'esprit. Voilà, l'âme, c'est ce que définit l'homme, ce que vous venez de dire. Exactement. Est-ce qu'on peut différencier l'âme avec le cœur? Parce que dans la Bible, on entend souvent dire « gardez votre cœur, faites ceci ». Toujours, on sent que les mots, le concept « cœur », ça revient à plusieurs moments. Et nous voulons savoir, est-ce qu'on peut les différencier ou bien c'est toujours la même chose, l'âme et le cœur? Merci. Différencier l'âme et le cœur, c'est vraiment difficile parce que parlant du cœur, la Bible parle du cœur dans des contextes. La Bible parle du cœur d'abord comme étant une partie dans le corps de l'homme, c'est-à-dire l'homme physique, l'homme être, l'homme chair, la partie intérieure qu'on voit l'appareil digestif et tout. La Bible parle du cœur de ces côtés-là. Mais dans les contextes, dans la pensée de Dieu, surtout beaucoup plus dans des versets, quand on parle du cœur, on voit ce qui est l'âme, on voit l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit « Errez ceux qui ont le cœur pur, car ils verront les seigneurs ». Mais la même Bible dit aussi que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc la Bible nous met en une similarité entre l'âme et le cœur. Donc s'il faut différencier,
Je dirais clairement qu'il n'y a pas de différence, parce que l'âme, c'est le siège des sentiments. L'équerre aussi est le siège Des des sentiments. sentiments et des émotions. Donc, il n'y a pas de Voilà. différence. L'âme et l'équerre, si on vous comprend bien, c'est toujours la même chose. C'est la Il n'y a même pas une chose, quasiment. différence entre l'équerre et l'âme. Parce Exactement. que c'est dans ces deux mots qu'est siège nos sentiments Les et sentiments, nos les émotions. émotions, oui. Voilà. Aujourd'hui, comme je vous avais dit, nous allons développer sur ces thèmes comment briser les prisons de l'âme. Je vois un thème tellement important. Moi, je t'invite à prendre déjà un cahier, un stylo. On a déjà noté sur ce sujet. Et ce que l'homme de Dieu va essayer un peu de nous expliquer, écris-les, ça va t'aider prochainement. Et je vous invite tous à s'abonner à cette chaîne Ferouge TV et vous allez vraiment être bénis avec nos différents sujets que nous allons développer au sein de cette émission. Nous continuons, l'homme de Dieu. L'âme, c'est une chose qui est immatérielle. Exactement. Et vous parlez que comment briser les prisons de l'âme. C'est un peu vague ou bien pertinente. Et parfois, on se pose des questions. L'âme qui est une chose immatérielle, maintenant, comment peut-elle être emprisonné. Bon, ça paraît comme une phrase, comme aujourd'hui, à maintenant, on commence à tirer des phrases des gens pour pouvoir mettre la magie à l'intérieur. Comment briser les prisons de l'âme? Parce que l'âme, elle est immatérielle, les prisons aussi sont immatérielles. Quand on voit la prison, les gens pensent toujours à ces barreaux-là et tout. Mais cette pensée ne nous est pas venue comme ça. David en parle. Dans les livres de Psaume, chapitre 142, verset 8, David dit: fais sortir mon âme de sa prison. Il a dit: afin que je puisse te louer et te bénir. Donc David veut rendre à Dieu quelque chose, il veut rendre à Dieu un culte, mais il se sent freiné. Parce que les sièges, parce que David, vous verrez dans plusieurs psaumes, David est en train de dire: mon âme fait ceci, mon âme bénit. Donc David est en train de bénir Dieu dans la dimension plus haute de l'âme qui maintenant s'exprime. Et David sent que le véritable lui est bloqué, il est incapable de bénir Dieu. Donc par là, la pensée est venue qu'il y a aussi des choses qui peuvent emprisonner l'âme d'une personne pour l'empêcher à rendre un culte à Dieu. Parce que dans la nouvelle alliance où nous sommes, les véritables cultes que nous puissions rendre à Dieu, ce n'est pas seulement l'adoration et tout, mais les premiers, les véritables cultes, c'est d'abord nous-mêmes, nos propres vies. Tel que l'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 12, rendez à Dieu votre corps comme étant des sacrifices, c'est là un culte raisonnable, tout ça. Donc David s'est senti bloqué, il a dit: bon, mon âme est emprisonnée, mais délivre mon âme, fais sortir mon âme de sa prison. C'est-à-dire, l'âme a sa propre prison. C'est pas que quelqu'un venait emprisonner l'âme. L'homme a sa propre prison. Oui, l'âme, c'est Et elle-même là emprisonnée. maintenant, ça nous pousse à poser cette question. Ou bien ça nous renvoie à comprendre que s'il y a des prisons, donc ce sont des blessures intérieures en soi, transformer un autre mot, ou on peut le dire Et comme ça. ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça. Parce que quand on voit la prison, vraiment, la prison est remplie de barreaux. C'est-à-dire, chaque barre de fer représente quelque chose qui peut emprisonner Retenir en l'âme de fait. l'homme. Voilà. Voilà, si on comprend bien, maintenant, quels sont les éléments ou bien les choses qui emprisonne l'âme dans cette prison dont vous parlez, parce que nous, on ne connaît pas cette prison en question. Et je crois que cette question va revenir encore à la fin pour nous expliquer c'est quoi les prisons de la prison en question que vous parlez. Mais avant tout, nous voulons savoir quelles sont les choses ou bien les éléments qui peuvent emprisonner l'âme. Merci, mon frère. Vraiment, cette question, je la réponds au travers de la parole de Dieu et aussi avec l'expérience de ce que j'ai déjà vécu. Voilà, je pourrais dire la première chose qui emprisonne beaucoup l'âme de chrétien, c'est premièrement les traumatismes du passé. Les histoires vécues au passé, les mauvais souvenirs du passé. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 43, ne vous souvenez plus des événements passés. Pensez maintenant aux nouvelles choses, parce que ce que je vais faire, ça ira mieux. Donc, même Dieu, pour agir, Dieu nous demande d'oublier d'abord ce qui est passé. Parce que tellement qu'on se réfère beaucoup, on est trop assis dans ce qui est passé, ça devient un blocage pour l'avenir. Aujourd'hui, vous entendrez quelqu'un dire: bon, nous avons pas la licence de pour tala makamba, ça la maman abisso. Ngai na zo décision na vie, na ko sala source boité pour na telle chose comme Ce là. sont des blessures. Ce sont des blessures intérieures. Ça fait partie des blessures. Maintenant, quand on se réfère beaucoup plus à ces blessures qu'on a vécues au passé, ça devient un frein pour pouvoir libérer notre âme. Ça devient un frein. Il y a les traumatismes du passé. Je peux dire encore, il y a quelque chose, il y a encore la culpabilité. Ça emprisonne l'âme. La Bible déclare, je crois, dans le livre de Matthieu, chapitre 27, qu'il y avait quelqu'un
qui avait offensé Dieu. Donc, quand on parle de Jésus-Christ, je parle dans la dimension de Dieu. Il avait vendu Christ, il avait vraiment, c'était quelque chose déjà prédestiné par le ciel. Judas. Il s'agit de Judas. Mais la Bible dit une précision, Judas s'était repenti. Mais malgré qu'il s'est repenti, Judas a vu que non, ça ne va pas. Je vais aller quand même me pendre. Là, c'était une fausse repentance quand même. Parce qu'une bonne repentance va mener une personne à aimer Dieu et à se soumettre à sa volonté. Voilà. Pourquoi je parle du cas de Judas? Parce que je vais essayer de mettre ça en parallélisme avec le cas de Pierre. Okay. Pierre aussi a fait du mal au maître, il y a renié. Vous voyez, pour un chrétien, quand on se répand, on n'a pas besoin de sentir que Dieu nous a pardonné. Mais on sait, on a besoin de savoir que Dieu pardonne. Là, par la foi. Par la foi. On doit savoir que tel que je me suis repenti, il y a un Dieu qui dit, si tu es juste et fidèle, je te pardonnerai. Mais aujourd'hui, les chrétiens cherchent à sentir les pardons de Dieu à la place de savoir que Dieu pardonne toujours. C'est ça une maladie qui a atteint Judas. Judas vit, ah, j'ai tellement fait trop du mal, je ne saurais pas. Je me suis repenti, mais mon âme ne se déploie pas. Pourquoi? Il se fixe. La culpabilité devient comme quelque chose qui bloque son âme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui, à cause du mal qu'ils ont fait, j'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Il a dit, les hommes nous traitent durement que Dieu, après avoir commis une bêtise. Quand il voit les jugements des hommes, il se dit, vraiment, Dieu ne peut pas me pardonner. Et cette culpabilité-là, tellement qu'elle monte en elle, vous savez aussi, même le diable aussi, il nous rend coupables après avoir commis une faute, même si on se répand. C'est de ce côté-là, maintenant, il faut savoir que Dieu pardonne et demander l'assistance du Saint-Esprit. Alors, c'est une maladie. Quand on est trop dans la culpabilité, après avoir commis un dégât, après avoir commis une faute à Dieu ou bien à quelqu'un, ça devient une prison. On bloque notre âme. On ne laisse pas l'âme se déployer si facilement. Et je pourrais dire encore quelque chose qui bloque l'âme, qui emprisonne nos âmes dans sa propre prison. Je peux dire aussi la musique mondaine. Parce que la musique mondaine aussi. La musique mondaine. Voilà. Comment ça? Voilà. Vous voyez, il y a un artiste, je crois, Mozart, qui a dit que derrière chaque son, il y a un esprit. C'est-à-dire, ce que tu entends influence ton esprit. Pourquoi aujourd'hui dans le monde, on peut dire quelqu'un qui peut entendre une musique douce et tout, il commence à pleurer, mais qu'est-ce qui fait couler les larmes? Quel lien y a-t-il entre la musique? L'adrénaline. Ça touche quoi? La musique touche quoi? L'âme. Voilà. Maintenant, vous voyez une musique qui a une source spirituelle mauvaise. Qu'est-ce que ça doit faire à l'âme? Okay. Ça apporte une mauvaise influence. Ça apporte une mauvaise influence. Autre chose encore qui peut bloquer, emprisonner l'âme des chrétiens, ce sont les déceptions, les inquiétudes, les soucis de la vie. Quelqu'un qui se soucie trop, quelqu'un qui s'inquiète trop de la vie, il emprisonne son âme. Il va s'empêcher d'exalter Dieu à cause de ce qu'il vit. Les inquiétudes deviennent une prison de l'âme. Et même les décisions que nous prenons, les paroles, nga na kosa la beauté. Vous voyez, un chrétien, quand nous parlons, la Bible dit nos paroles doivent être assaisonnées de sel. Quand une âme est bloquée, quand une âme est emprisonnée, vraiment, il y a difficulté d'être béni. Parce que les bénédictions que Dieu nous donne des bénédictions en esprit. Nous sommes bénis spirituellement. La Bible qui dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. En Jésus-Christ. En Jésus. Voilà, Dieu dépose des bénédictions en esprit. Mais alors qu'entre l'esprit qui est esprit, les bénédictions spirituelles qui doivent être matérialisées dans la chair, il y a l'âme qui est au milieu. Okay. Donc, Amazon, le coup, la gardien. Tu ne peux pas franchir les filets sur les qui gardiens t'es. Sois sûr que tu vas bien dribbler les gardiens pour franchir les filets. Alors c'est ça, quand Dieu dépose les bénédictions, voilà pourquoi le sage Salomon a dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui provient les sources de la vie. » Donc les cœurs, l'âme, il y a les sources de la vie là. Quand Dieu dépose dans l'esprit, l'âme est en train de recevoir ça pour les livrer au corps. Alors, les décisions, les paroles que nous prenons, freinent tellement notre esprit et empêchent à ce que nous puissions vivre cela dans le matériel, dans le charnel, dans le corps, parce que notre âme est emprisonnée. Notre âme est emprisonnée. Maintenant, l'homme me dit, Daniel, vous parlez trop des prisons. Oui. Vous indiquez trop ces mots prison, que l'âme est allée bloquer.
Non, c'est quoi cette prison en question? Parce qu'on voulait savoir, l'âme est immatérielle, la D'accord. présence est immatérielle. Et si peut-être vous pouvez illustrer la prison, vous pouvez dire comment? Comment vous pouvez l'expliquer? Merci. Expliquer la prison de l'âme, c'est en d'autres termes expliquer ce qui freine je peux dire quoi, l'élévation, les déploiements. Donc en lingala, comme on dit, kofungwama, c'est ce qui empêche. Alors, quand une âme est emprisonnée, pour mieux comprendre ça, on dit que l'âme est incapable de louer Dieu, est incapable de rendre un culte à Dieu. Quelqu'un qui s'alourdit, il n'a plus la communion avec Dieu. Quelqu'un qui s'alourdit, il ne parvient même les péchés peuvent emprisonner l'âme. Quelqu'un qui est maintenant incapable de s'ouvrir à Dieu, de lui rendre un culte, parce que David dit, fais sortir mon âme de sa prison afin que moi je fasse quoi? Que je te loue, que je puisse te donner des actions de grâce. Donc, c'est ce qui bloque un enfant de Dieu afin que, un, qu'il ne puisse pas vivre les bénédictions de Dieu. C'est ce qui bloque un enfant de Dieu afin que, deux, qu'il ne puisse pas rendre un culte à Dieu. Parce que Dieu nous a laissés sur terre avant qu'il ne vienne. C'est comme les enfants d'Israël, on est dans la marche, mais dans les déserts, on doit rendre un culte à Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Donc l'âme, la prison de l'âme, c'est tout ce qui empêche l'homme, parce que l'âme, c'est là où la porteuse de la vie, c'est là où Dieu a déposé la vie, c'est ce qui empêche l'homme à Rendre culte à pouvoir Dieu. rendre un culte à Dieu et à pouvoir être en communion avec Avec. Dieu. Voilà. Alors, ce qui bloque que l'âme puisse rendre culte à Dieu, c'est ça la prison que les fois Daniel Aïe a parlé. C'est ça la prison. Quand tu sens que tu es incapable de prier, incapable d'adorer, incapable même de faire la volonté de Dieu, sache-le que ton âme est emprisonnée par une certaine chose. Et tu dois demander au Saint-Esprit de te révéler la chose afin que tu puisses. Hein, le supprimer ou bien l'effacer pour que ton âme devienne agréable devant Dieu, que tu puisses aussi avoir la capacité de s'approcher au trône de la grâce afin d'adorer et aussi de déposer tes requêtes pour que tu puisses avoir la solution dans tous tes problèmes. Donc, nous sommes déjà presque à la fin, mais on ne peut pas terminer comme ça sans pour autant parler de comment sortir dans cette prison. Parce que c'est ça la solution de toutes choses. Vous avez parlé des causes, comment maintenant, comment faire une personne pour qu'une âme puisse sortir de cette prison. Comment faire pour sortir son âme de sa prison? De ce côté-là, la Bible nous a donné une solution qui, pour moi, je dis toujours aux gens qu'elle est simple, parce que la première personne qui peut libérer notre âme de la prison, c'est Dieu. Dieu, c'est lui qui connaît l'homme, c'est lui qui a créé l'homme. Alors, mon frère, ma soeur, tu me suis à la maison, je te dirai, si tu te rends compte dans des situations où tu es maintenant incapable de rendre culte à Dieu, tu as pris des décisions sur ton avenir à cause de ton passé, tu ne te sens plus calme dans la communion avec Dieu, la première solution que je vais te donner, c'est que fais d'abord confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu, prie. Mais il y a certaines choses qui se règlent seulement pas par la prière, mais vois un homme de Dieu, parle à un homme de Dieu, parle à un serviteur de Dieu à qui tu fais confiance, qu'il peut vraiment garder cette confidentialité, ce secret-là avec toi. Même s'il s'agit des choses horribles que tu as faites, tu es tombé dans les péchés, depuis que tu es tombé dans les péchés, tu étais fervent, zélé dans les choses de Dieu, mais depuis que tu es tombé dans ces péchés-là, où tu avais pris la décision, non, moi j'avais fait un vœu à Dieu, il y a une jeune fille, je connais, mon frère, elle avait fait un vœu à Dieu, de ne pas perdre sa virginité. Mais à un moment, elle a perdu ça et elle n'avait vraiment plus confiance en elle. Et à cause de ça, elle est allée se livrer aujourd'hui. Elle est maintenant mère de deux enfants à cause simplement de ça. Et elle est maintenant incapable de répondre à servir Dieu. C'était une sœur à l'église, elle servait Dieu. Alors, si peut-être ton cas est pareil à notre sœur, je te demanderai de voir un homme de Dieu, prier, faire confiance en Dieu. Et il y a certains cas aussi qui demandent la délivrance. On doit prier pour toi, mais vraiment Christ a un cœur grandement ouvert pour toi. La Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Alors fais confiance en Dieu et vois un homme de Dieu, ça sera aussi mieux pour toi qu'il prie pour toi. Et après avoir tout fait, crois
que Dieu a exaucé à tes prières. Crois que Dieu a exaucé à tes prières. La seule solution, ou bien le seul moyen que tu puisses sortir dans cette prison, c'est juste de faire confiance en Dieu et d'aller chez un homme de Dieu, avouer ce que tu as eu à faire. Avouer tout ce qui est dans l'intérieur de ton cœur. Fais une bonne repentance sincère. Et le Saint-Esprit viendra pour te donner une paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Tu seras libéré totalement. L'homme de Dieu, nous sommes presque à la fin. Après, pendant que vous parlez, il y avait une personne qui me suivait, qui se disait en lui-même que oui, je suis emprisonné, mais comment faire pour m'en sortir? Oui, il y a une solution, faire confiance en Dieu, mais il y a une chose qui me bloque. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore donné ma vie à Jésus. Jusqu'à présent, je ne sais pas quoi faire parce que sans le Saint-Esprit, je n'aurais pas cette capacité-là de faire une bonne repentance. Car ma repentance ne sera pas sincère, ce sera une repentance juste dans les lèvres, ce ne sera pas profond. Mais comment faire? S'il y a une possibilité que tu puisses parler à ces personnes, à regarder la caméra et prier aussi à ces personnes pendant quelques secondes. Merci. Vous nous suivez de là où vous êtes. Vous avez vraiment envie d'être guéri de cette maladie. Jésus vous aime. C'est d'abord un message, une nouvelle peut-être pour vous. Jésus vous aime et la Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et 1 Jean chapitre 3 verset 16 dit, nous avons connu l'amour, on sait que Dieu a donné son Fils unique pour le salut de l'humanité. Et si Dieu-là est venu pour le monde, et parmi les quiconques, toi aussi tu fais partie, alors là où tu es, tu vas simplement mettre tes deux mains sur ton cœur et moi je vais prier pour toi. Et après cette prière, je t'ai conseillé d'aller dans une église d'attache, que le Seigneur va te convaincre de donner ta vie, de recevoir le baptême et pourquoi pas aussi être appelé enfant de Dieu. Seigneur, je prie pour cette personne qui nous suit de partout où elle est. Elle sent dans son cœur que son âme ne parvenait plus à se libérer. Oui, même le diable, quand il voit, nous voit dans le péché, il vient là pour chercher à retenir notre âme dans le péché, pour la tourmenter. Seigneur, j'ai prié pour ce cœur, j'ai prié pour cette décision que cette personne a prise, d'abandonner les péchés, d'abandonner le monde, afin de venir à toi. Oh toi, le Dieu qui a dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Suis cette personne de là où elle est. Convainc-la. Libère-la des péchés. Je déclare maintenant que cette décision prise en ce moment puisse la purifier et la sanctifier. Qu'elle puisse prendre force et pouvoir de commencer à surmonter, dominer ces péchés, cette vie sale aux yeux de Dieu qui était en train d'être motrice de sa vie. Conduis-la désormais et sois le seul qui va commencer à décider sur ses décisions et ses volontés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour toi. Toi qui as donné sa vie aujourd'hui. C'est pour nous vraiment une grande joie. Maintenant que je pars, il y a une fête au ciel. Amen. Parce que je sais, toi, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Et nous aussi, nous vous souhaitons les bienvenus dans cette grande famille. Vraiment, sentez-vous à l'aise. Ici, il n'y a pas de regrets. Il n'y a pas de déception. Car notre Jésus-Christ est là pour nous donner tous ces dons on a besoin. Donc, cette décision, tu ne regretteras jamais dans ta vie. Donc, c'est la meilleure décision qu'un homme peut avoir ici sur la terre. Yes. Donc, sachez que ton éternité est rassurée et que ta vie aussi est vraiment bénie. Voilà, nous sommes à la fin, l'homme de Dieu Daniel, nous sommes vraiment tellement heureux de vous recevoir dans cette émission. Je crois que ce n'est pas la dernière fois en 2021. Je vais encore y revenir. Amen. Amen. Voilà, je vous dis vraiment un grand merci pour tous qui nous ont suivis de partout. Merci à notre réalisateur Elka. Et aussi un grand merci à notre patronne, notre grande dame Nathalie Loco. C'est lui qui nous fait du bien, c'est lui qui nous soutient financièrement et aussi matériellement. À chaque moment, il nous donne des surprises agréables que parfois même on ne les comprend pas. Nathalie, je vous aime beaucoup. Je crois qu'on va se revoir encore avec vous pour les prochains numéros. Merci Grace, merci aussi Paul qui était derrière la caméra. Merci à vous tous qui nous soutient spirituellement afin que cette émission puisse bénir encore beaucoup de vie. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se voit à la prochaine. Merci. Merci.